Évidemment, pour un vendeur de bagnoles, si jamais vous intégrez du covoiturage et de l'autopartage possible, vous avez quand même un argument pour que la personne qui était prête à mettre 300 euros de mensualité soit demain prête à mettre 400 euros en se disant je récupère une partie de ma mise euh, par mon statut de covoitureur, etc. Évidemment, tout le problème, si ça devait se développer, c'est de pouvoir garantir le flux de revenus correspondant et donc il y a, il y a, mais évidemment l'intégration aux argumentaires des vendeurs l'intégration peut être demain aux outils de vente hein, des vendeurs de ces éléments de covoiturage et d'autopartage qui viennent modifier le sens de la mensualité ça fait partie des éléments qu'on a en tête nous quand on dit les, 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 les porteurs de cette cause des usages novateurs des véhicules ben, ça doit pas être seulement euh, quelques journalistes qui se prennent la tête dans des colloques ADEME hein, euh, au fin fond de, 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 fin, de, en région parisienne, ça doit être aussi et surtout ben, les gens qui, qui aident les gens à gérer leur mobilité au plan quotidien. Hein et c'est un peu ça l'histoire. Alors après, moi je suis ni vendeur ni garagiste et par conséquent, je vais pas fabriquer une espèce de... de, 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 euh, de d'outils de vente de ces pratiques-là. Je pense que c'est l'inventivité ou la résilience des réseaux, leur capacité à porter cette cause-là et à s'y adapter qui fera que ça, ça, ça prendra corps ou que ça ne prendra pas corps, si vous voulez.